Un outil marketing absolument prodigieux pour exploser ta visibilité en ligne. C'est un regroupement des plus gros logiciels marketing et SEO du marché, mais pas n'importe lesquels. On n'entend jamais parler de cet outil parce qu'il est à la limite de l'illégalité. Et ça fait vraiment de lui un cheval de Troie pour ton marketing digital. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le nom de cet outil indispensable pour tous les marketeurs. Voici la liste de tous les outils marketing et ce qu'ils vont te permettre de faire. Allez. Le premier outil, c'est Canva. Il te permettra de réaliser des contenus visuels hyper attrayants. Le deuxième, c'est SEMrush. Il est indispensable et c'est un des plus connus et les plus utilisés par les référenceurs afin d'analyser son marché SEO, les mots-clés, les backlinks, de réaliser des audits et bien plus encore. Le troisième, c'est Ahrefs. Pareil, très utilisé par les marketeurs et ceux qui font du SEO. Il te permet de voir le contenu de tes concurrents, d'explorer les backlinks, de faire des audits et j'en passe. Le troisième outil disponible, c'est One.fr. Il va te permettre d'optimiser la sémantique et d'avoir des contenus rédactionnels hyper optimisés. Le quatrième, c'est YourTextGuru. Pareil, il te permet d'optimiser tes contenus et d'optimiser ton SEO et ton DSEO. Tu pourras aussi optimiser la sémantique, comment se positionnent tes concurrents dans les SERP, le monitoring, l'exploration et comme tu peux voir, il y a énormément de marques qui utilise cet outil. Le sixième, c'est Moz pour analyser le profil de lien de ton site et celui de tes concurrents. Et le septième, c'est Majestic. Pareil que pour Moz, pour analyser les liens, voir cette fois le TF, donc le Trust Flow, le CF, c'est le Station Flow, et le TTF, c'est le Topical Trust Flow. Le huitième, c'est SEOlyzer. Il te permet d'avoir de la data SEO et de pouvoir optimiser les contenus. Le huitième, c'est Read.me, un outil d'assistance à la rédaction basé sur l'intelligence artificielle. Ensuite, c'est Envato Element pour avoir des ressources d'éléments de qualité. Comme tu peux voir, tu auras de la vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles graphiques, des photos et on en passe. Avec cet outil, tu auras aussi accès à Smodin pour la réécriture de texte et la génération de contenu. L'outil comprend aussi One Hour Indexing qui te permet d'indexer rapidement tes contenus dans les moteurs de recherche. Tu auras aussi accès à Sixtrix qui te permet de regarder la concurrence dans Google et d'analyser du coup la visibilité en ligne. Mangools, quant à lui, te permettra de rechercher des mots-clés et d'analyser directement le SEO. Spinwriter te servira à faire de la réécriture d'articles de pages et d'articles de blog. Qtext te permettra de voir si l'article que tu as fait est déjà plagié, c'est-à-dire qu'il est déjà en ligne et indexé. SERPstat pour analyser les résultats de recherche et la visibilité de tes pages. Et enfin, le dernier que je veux te montrer, c'est BuzzSumo. BuzzSumo est une application en ligne qui te permet de mesurer la performance de tes contenus postés sur les réseaux sociaux. Et forcément, je te passe les 50 autres suivants. Mais ce n'est pas tout. Avec cet outil, tu auras aussi accès à plus de 6500 thèmes et extensions WordPress et plus de 2,5 millions d'images. Cela représente plus de 1000 euros d'économie mensuelle. Tu comprendras donc que cet outil, c'est un outil pour les gouverner tous pour seulement 14,99€ par mois. Avec ça, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas réussir ton marketing digital. Personnellement, j'ai été séduit par le fait de pouvoir acheter groupé et donc de payer beaucoup moins cher. J'ai aussi été séduit par le fait qu'il y ait énormément d'outils premium dans cet abonnement et forcément par le logo de cet outil que je trouve sublime vu que c'est un renard. Et vu que j'ai un Shiba Inu, allez, j'arrête de faire durer le suspense. Cet outil magique, c'est RankerFox. Je te mets un lien en description de cette vidéo pour que tu puisses accéder à cet outil. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre un petit like et à me poser une question en commentaire si tu en as une, bien évidemment. Et abonne-toi avant de te faire croquer par Echo.